Bien, merci de l'invitation. Quand Jacques m'a rencontré sur mon patio cet été, j'avais écrit sur Facebook qu'on faisait un kiosque à limonade et j'ai dit « passez ». Jacques a dit « j'ai assez de misère à te voir, je vais passer certain ». J'avais laissé mon adresse. Et donc, il m'a parlé de cet événement aujourd'hui et je connaissais peu les Creative Mornings et j'ai donc accepté. Et c'est après ça que la pression a commencé. quand j'ai lu sur le truc... quand lundi dernier, j'ai vu que les inscriptions avaient toutes été complétées en 15 minutes ou peut-être même moins, hein, combien? 7 minutes. Et là, tous mes proches qui voulaient participer n'ont pas pu non plus. Alors, c'est là que la pression a commencé. Alors, justement, j'essaie de sortir un peu de ma zone de confort aujourd'hui. Je suis habitué à faire des présentations de l'entreprise, mais très peu de parler sur la thématique. Alors, c'est avec beaucoup d'humilité que je suis là aujourd'hui. Mais justement, humilité. Je me suis dit, c'est quoi l'humilité? Pas que je ne suis jamais humble, mais j'ai demandé à Wikipédia, c'est quoi ça, l'humilité? Et puis, on m'a parlé, dans le fond, humilité vient du mot « terre » et justement, vient du mot « réalisme ». Alors, je me suis dit, ben justement, je vous invite aujourd'hui à des fois aller dans le surréalisme, mais en restant les pieds un peu sur terre et en se prenant pas trop au sérieux. Alors, c'est un petit peu avec cet état d'esprit que je viens vous présenter un peu ma boîte à outils. L'occasion m'a été donnée par Creative Mornings et par Jacques de prendre un peu de recul sur les 24 ans, les 24 dernières années. Vous savez, j'ai lancé l'entreprise quand j'avais 15 ans. Alors, ça m'a donné du temps pour prendre un peu de recul sur ça avait été quoi justement le rôle de chance, le rôle de la chance dans ce parcours-là. Et puis, j'ai voulu un petit peu vous parler de ma boîte à outils, de la gestion de cette chance-là. Alors voilà, on va parler un peu de la boîte à outils de chance ou de chance. Moi, je pense que la chance, ça se provoque. La chance, ça s'invite à table. La chance, ça s'invite à dîner. Des fois, je pense que c'est un peu ça qui nous manque des fois. Et je pense qu'à plusieurs occasions, ça a été une particularité de mon parcours. La meilleure façon de prédire le futur, je pense, c'est de l'inventer. C'est Alan Kay qui a dit ça. Des fois, c'est sûr que si on ne participe pas à un concours, on ne peut pas gagner. Alors... moi, mon histoire commence avec Provigo. En 83, j'ai participé à un concours de dessin. J'étais pourri en dessin à l'époque, mais ma mère m'avait dit, « Ben là, tu sais, mets-toi au dessin un peu, on peut gagner un ordinateur. C'est formidable. » Et j'avais dessiné un robot. Et j'ai cherché, je pense, l'essentiel de ma présentation, j'ai cherché pendant, je pense, une vingtaine d'heures cette maudite photo-là. Que j'ai donc fini par trouver hier soir à 21h. Et donc, j'étais très, très content. Ma mère aussi même était même allée chez ce Provigo-là et a parlé à l'ancien emballeur qui, en 83, était là à ce moment-là, qui est aujourd'hui propriétaire du Provigo. Alors, ben oui, c'est moi. Alors, j'ai gagné cet ordinateur en 83. Et puis, donc, c'est effectivement parce que j'avais participé, même si j'étais pourri en dessin. C'est ça, le premier programme qu'on m'a invité avec Octopus, ceux qui ont connu Octopus en 83, j'ai programmé un kiosque à limonade. Et c'est justement dans ce contexte de kiosque à limonade que j'ai revu Jacques et pourquoi je suis ici. Donc, provoquer, favoriser la chance, l'inviter à dîner. Un autre élément, c'est je pense qu'il faut être gonflé un peu des fois. Faut ne pas hésiter. Moi, dans les principaux succès, je dirais, j'ai essayé de provoquer la chance. J'ai écrit, justement, en 98, quand je me suis lancé en France, je me suis dit, la meilleure façon, c'est d'écrire au président. Donc, j'ai écrit au président de trois maisons d'édition, qui étaient Excelsior, Sciences et Vie Junior. À l'époque, on faisait des CD-ROM à base d'archives. Et donc, je leur ai écrit à trois présidents et j'ai eu trois rendez-vous. Justement parce que, le Québécois, on va l'inviter, on va avoir une bonne discussion. Effectivement, on a signé les trois contrats.
Ça a été la même chose avec, il y a 5 ans, je voulais une rencontre avec Pierre-Carl Péladeau. J'ai dit, bien, dans le fond, la meilleure façon, c'est de lui écrire directement. Puis, j'ai essayé à peu près toutes les adresses possibles, hein, pierrecarl@quebecor.com, pkp@quebecor.com. En fait, j'ai tout mis dans la ligne CCI. Et finalement, 5 minutes après, j'avais une réponse de Pierre-Carl Péladeau qui dit, bien sûr, allons prendre un déjeuner. Alors, moi, évidemment, on est dimanche, hein, bon, dimanche au Château Bonentente, je m'installe avec ma cravate et tout ça, je tremblais comme une feuille. Et moi, j'arrive et lui, il était complètement débraillé avec les cheveux en tempête. Son fils qui était là, il était en bottes de ski. Fait, il dit, je pense que tu peux te détendre un petit peu. Et ça a amené donc une relation avec lui encore là, il y a 2 semaines. J'étais à Barcelone lors de son passage. Alors, ça a été un bon contact de cette façon-là. Et encore là, c'est de la chatte. C'est parce qu'il aurait pu ne pas répondre. J'ai fait la même démarche avec Jeff Bezos, puis j'ai jamais eu de nouvelles. Là. mais, par contre, j'ai fait aussi la même démarche, puis je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais avec Steve Jobs. J'ai une histoire cocasse un petit peu à raconter par rapport à ça. Aussi, il faut pas avoir peur du ridicule dans ces cas-là. Moi, j'essaie toujours dans les cocktails, on est habitué dans les cocktails de parler à des gens qu'on connaît. C'est plus facile, c'est plus le fun, on prend un verre de vin, on a du fun et tout ça. Moi, je me dis toujours, bon, faut que j'essaie de sortir de ma zone de confort, faut que j'essaie d'aller vers des gens. Alors, je suis à la mairie de Paris, cette fois-là, et puis je vois un grand monsieur, puis tout le monde allait vers lui, fait qu'il était tout seul, je m'en vais vers lui, je dis bonjour monsieur, donc c'est un Québécois, je discute une bonne dizaine de minutes avec lui, vous habitez sur Paris, oui, oui, absolument, bon, ben, c'est extraordinaire, et là, j'ai une phrase malheureuse à la fin, je dis, vous êtes retraité? Il dit, non, je suis ambassadeur du Canada. D'accord, d'accord. Moi, c'est Robert Tremblay. Au revoir. Alors, je pense qu'il ne faut pas, et je pense pour ça qu'on parlait d'humilité tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur du ridicule à certains moments. Favoriser sa chance, c'est aussi savoir s'entourer. Je pense que ça a été un fil conducteur dans ma vie. Je parlais tout à l'heure des lorsque je suis allé en France à 98, j'avais 23 ans. J'avais convaincu mon associé de venir avec moi. Lui, il en avait 55. Alors, s'entourer, puis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la « gray hair strategy », la stratégie du cheveu gris. Alors, quand tu as 23 ans, ben souvent, j'amenais Monsieur Cheveu Gris avec moi, qui amenait de la crédibilité. On l'a fait, ça, avec « Protégez-vous », on l'a fait en France. Et puis, donc, il est toujours associé avec moi, d'ailleurs. Et s'entourer, c'est aussi constituer des bonnes équipes. Je vous apprends rien en vous disant ça, mais c'est évidemment aussi constituer des belles équipes de travail. Saisir sa chance. Il y a déjà autre chose. La chance nous tombe dessus des fois. Et il faut savoir reconnaître que la chance est là. Et là, il faut surfer sur cette chance-là. Vous connaissez peut-être Taptouche. Donc ça, c'est un produit que j'ai fait à l'âge de 17 ans. Nous, on était dans une dynamique de création de produits, un après l'autre et tout ça. Et là, tout d'un coup, Taptouche, Alain Aubut, qui est aujourd'hui à la Fondation de l'entrepreneurship, vient me voir et dit, on va l'amener en magasin, ce produit-là. C'est un fou, sûrement. Et donc, on l'a amené en magasin. Premier mois, 400 exemplaires. Deuxième mois, 500 exemplaires. Sixième mois, 700 exemplaires. Et c'est là qu'on a dit, wow, il est en train de se passer quelque chose. Et qu'on a, surfer sur cette opportunité-là et en faire un point majeur. Aujourd'hui, on l'a vendu, j'en reparlerai tout à l'heure. Aujourd'hui, on l'a vendu, mais vraiment de surfer sur cette chance-là et d'en faire un élément, un produit phare d'une entreprise. On a aussi su saisir l'opportunité de l'entrepôt numérique du livre. Hein. En 2008, avec Clément Laberge, on s'est lancé dans ce programme. On a su passer, on a été approché par des Français, après ça, on a été approché par des Italiens, à chaque fois un peu par opportunisme, mais on a su saisir cette chance-là et puis en faire un succès. Aujourd'hui, on a 1000 clients dans une trentaine de pays, 500 points de vente. On est entre l'éditeur et le marché Amazon, Renaud Bré et compagnie. Risquer la chance, hein, des fois, on a quelque chose puis on se dit, bon, ben là, je m'assois sur ce que j'ai. Il faut se remettre en... Je pense qu'il faut savoir se mettre en...
en situation de danger, de quitter des domaines, de faire de la place pour des nouvelles opportunités. Mon parcours, me suis souvent lancé dans le vide, puis ça a toujours été payant. Souvent, on me compare à un chat, en fait. Hein, le chat tombe toujours sur ses pattes, puis il y en a qui fâche, parce que j'ai un enthousiasme des fois fatigant. Mais effectivement, je pense que des fois, faut avoir le courage de le faire. Quelques exemples de ça. En 2005, je décide d'aller m'installer en France, justement pour sortir de ma zone de confort, puis se lancer un peu dans le vide. En octobre 2005, j'appelle Clément et je lui dis, « Ben, sais-tu, je m'en vais m'installer en France. » Il dit, « Ben, moi aussi. » Et donc, encore là, ça a été, je pense, une belle... des belles opportunités, c'est là qu'est né le projet d'entrepôt numérique. C'est là qu'on a établi toutes sortes de contacts et c'est en quittant une zone de confort qu'on a pu accueillir des nouvelles opportunités. Même chose pour la vente de tape-touche. En 2012, on a décidé qu'on voulait vraiment devenir un leader mondial dans le domaine de l'édition numérique, de la distribution numérique. On s'est dit, ben on a un certain confort avec TapTouche, c'est un produit que j'ai créé il y a 22 ans. On s'est levé un matin, on a pris une décision bold, on a dit on le vend parce que vraiment on saute dans le vide puis on se lance encore plus que maintenant dans l'édition numérique. Et c'était encore une fois un move payant. C'est aujourd'hui Druid Informatique qui est propriétaire de TapTouche. Puis c'est un feeling intéressant que de voir un projet qu'on a fait naître. Dans le fond, c'est un bébé qu'on laisse aller puis qui a sa vie. Puis moi, je vais aller au Salon du Livre tout à l'heure. L'année dernière, j'avais vu un stand de tape-touche. Puis c'est un feeling intéressant de voir que ces projets-là peuvent avoir une autre vie. La malchance, les obstacles. Hein, il n'y a pas de parcours qui sont parfaits. Il n'y a pas de parcours qui sont rectilignes, uniformes. Il faut savoir justement essayer de transformer ce qui nous apparaît comme des malchances en opportunités. On devait m'embaucher à la commission scolaire en 90. Moi, je suis préparé. Hey, moi, je vais faire 1 600 $ cet été. C'est extraordinaire. Arrive le 23 juin et pour X raisons, on n'a pas d'argent. Donc, c'est pas été possible d'être embauché à la commission scolaire. J'avais 15-16 ans à l'époque. C'était évidemment un stage. Et c'est là que j'ai eu l'idée de dire, ben ce que je devais faire avec toi, Guy, qui était mon associé, on va le faire puis on va le vendre dans toutes les commissions scolaires de la région. Ça a été le début de marque, essentiellement. J'aurais jamais lancé une entreprise autrement à 15 ans. Et cet été-là, j'ai fait 12 000 $ et je me suis acheté je faisais de la musique, je me suis acheté des instruments de musique. Écoute, c'était c'était le Klondike pour un jeune de 15 ans d'avoir un été de 12 000 $, mais j'ai toujours gardé cet argent-là, à part les instruments de musique, dans l'entreprise, justement pour pouvoir la développer. L'autre histoire, Steve Jobs. Une malchance, en fait, chance dans la malchance. Je convainc mes associés, Clément et Christian, je dis, on va être le premier agrégateur à vendre des livres francophones à Apple. Bon, comment est-ce qu'on s'y prend? Ben, c'est pas compliqué. steve@apple.com devrait pouvoir nous arranger ça. Ben, écoutez, 5 minutes après, je dis, ben, certainement, Marc, contacte ADQ. Il est en copie. Je pense que vous pourrez avoir une rencontre bien intéressante. J'ai dit, je suis de passage en Californie la semaine prochaine. Bon, de passage étant relatif, mais... Alors, c'est ça. Alors, nous pactons nos affaires, Christian, Clément et moi. Écoute, on part en Californie, on s'en va rencontrer Eddie Q, qui est le premier vice-président au contenu, incluant tout ce qui est iTunes, Music Store, iBook Store et tout ça. On atterrit à San Francisco et je reçois un appel d'assistante de M. Eddie Q. J'ai oublié de vous prévenir. M. Q est à Washington aujourd'hui. Alors, ben écoutez, il pourrait vous voir la semaine prochaine. Je dis, ben très bien, avec grand plaisir. Et c'est là qu'on a décidé, Christian, Clément et moi, de se dire, bon, on est là, hein, faut transformer cette opportunité-là. Et on s'est dit, c'était le 10 mars 2010, on s'est dit, on peut pas être venu ici puis que ça soit pas signifiant, qu'on n'ait pas pris des grandes décisions ou qu'on n'ait pas
Je veux dire, on va aller sur le bord de l'eau, on va aller prendre une bonne bouffe, puis il faut que la date du 10 mars 2010 soit quelque chose de signifiant pour nous. Et ça l'a été. C'est là qu'on a pris une série de décisions d'embauche, de structurer le projet, de passer deux journées formidables. Et la semaine suivante, j'y suis retourné seul pour rencontrer DQ, et on a effectivement été le premier agrégateur francophone pour Apple. Donc, tout ça en ayant simplement envoyé un mail. Donc, on a été super chanceux, mais il faut la provoquer, il faut être gonflé, puis il faut pas se prendre trop au sérieux. Évidemment, on a traversé des tempêtes aussi, plusieurs bad luck. J'écrivais un texte récemment sur la courte échelle qui est en faillite. Le texte que j'ai écrit essentiellement, est-ce qu'on dit que ça lançait des fleurs à Hélène, qui est la fondatrice? Pas forcément, il y a sûrement des erreurs, mais en même temps, il y a des malchances à un moment donné qui amènent à un échec. Il faut pas voir ça. Ce que j'écrivais dans le texte, c'est qu'en Californie, les gens voient pas forcément ça comme un échec. Son distributeur a fermé, il y a eu des retours massifs de stock. Alors, je pense qu'il faut savoir se relever, puis je suis convaincu qu'Hélène, puisque je la connais un peu, va se relever de ça, puis va faire d'autres choses avec son bagage, puis avec l'opportunité, puis que même éventuellement la courte échelle se relèvera. De Marc n'est pas exclu de faillite, c'est pas ça que je veux dire. On a eu des obstacles de ce genre-là. En 2000, par exemple, on était presque au pied du mur. Qu'est-ce qu'on fait, les fournisseurs? Alors, de ces obstacles-là, il faut apprendre, il faut savoir se relever, et ça crée aussi des nouvelles opportunités. Première conclusion. Là, l'apprentissage que j'ai à faire aujourd'hui, c'est que il y a eu un long parcours, souvent marqué par l'opportunisme, marqué par des opportunités, suivre un instinct, suivre un flair. L'étape où j'en suis et où de Marc en est, c'est de savoir les classer, puis à la limite, ne pas écouter toutes les opportunités, parce que il y en a tellement de nos jours, puis il y a tellement de façons de vivre un projet, que le défi que nous avons, c'est de les sélectionner, ces opportunités-là, puis arriver à garder le cap en disant non, en fait dire probablement 99 fois non pour une fois oui, ça c'est la bonne. Et ça, c'est le défi que j'ai personnellement, parce que ma vie a été marquée par de l'opportunisme un peu, du mauvais opportunisme, mais de surfer sur des opportunités. L'autre chose, ce qui me vient en tête tout à l'heure, je disais, quand la chance vient à nous, il faut savoir l'écouter. Puisque les Steve Jobs m'ont répondu en 5 minutes, les PKP m'ont répondu en 5 minutes, que l'ambassadeur du Canada m'a adressé la parole, je me suis toujours donné le devoir d'accepter des rencontres, même si elles sont pas forcément dans la ligne, d'écouter les opportunités, puis de redonner la chance. Parce que une autre des particularités que j'ai eues, c'est justement avoir plusieurs personnes qui m'ont donné la chance. Mon premier associé, quand j'avais 15 ans, lui en avait 45. Des clients comme Protégez-vous, qui m'ont reçu dans leur bureau, qui ont dit « Oui, t'as 19 ans, mais tu vas faire notre CD-ROM, puis on te fait confiance. » Fait que ça, faut qu'on sache collectivement la redonner. Et j'espère que je la redonne déjà un peu d'une certaine façon. J'aide quelques plus jeunes entrepreneurs, et puis c'est quelque chose de bien important pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir invité. Et si vous avez des questions...